Hey, salut tout le monde, c'est Mister Diamant Minecraft et on se retrouve pour un tuto donc qui ne marche, je vous le dis tout de suite. Attendez, ma souris qui déconne. Je vous le dis tout de suite, qui ne marche, enfin qui est très rentable en version 1.2.5. Donc voilà, c'est car en fait en 1.2.5 on pouvait enchanter jusqu'au niveau 50, c'est pour ça. Donc bah ça s'appelle la salle d'enchant modulable. Donc par exemple là on est au niveau bas, on peut enchanter jusqu'au niveau 14, vous voyez, ça c'est le grand max. Ouais, 16, enfin vous voyez, pas au-dessus de 20. Si on appuie sur ce bouton là, tac, on passe au niveau moyen. Donc là ça doit être niveau 30 maximum, je crois. Ouais, 30. Et si on appuie sur ce bouton là, hop, donc c'est marqué haut, moyen, bas, donc c'est au niveau des niveaux. Et bon, on peut enchanter niveau 50. Donc faut avoir un peu de chance quand même, hein, faut essayer souvent pour les niveaux 50. On tombe souvent aux alentours des 47, 48. Moi j'ai pas trop de chance, je suis souvent ouais, 43. Ouais, on n'a pas trop de niveaux là quand même. C'est un peu de la merde là. Ah oui, donc et puis en 1.2.5 c'était pas dans l'ordre, enfin c'était pas du plus petit au plus grand, là c'était un peu mais généralement quand vous avez 50 il est en bas, mais c'est très très rare le 50. Généralement vous aurez 49. Bon, faut essayer souvent quand même pour avoir le 50. Et bah écoutez, on va apprendre à faire ça maintenant. Donc bah je vous montre, je vous fais un petit aperçu du système. C'est bah, c'est un sélecteur avec bah, les pistons placés d'une telle manière à ce que bah ça fasse ça quoi. Donc hop, on baisse tout. Et donc pour le niveau bas il n'y a pas besoin de piston, hein, c'est juste cette façade là qui fait les niveaux bas. Bah d'ailleurs on le voit là, hein. Hop et hop. Alors on va aller se mettre là bas Alors j'ai juste une question avant. Est-ce que mon épisode numéro 2 de Leadstone et sur ma chaîne ou est en upload, parce que ça fait déjà 2 jours que je l'ai mis, j'ai 0 vue et alors que j'ai mis un épisode là dernièrement et enfin je me demande si l'upload a pas foiré. Franchement je vous le dis vraiment, j'espère pas, parce que pour filmer un épisode avant l'épisode 3 qui est déjà en ligne, ça va être bonbon. Donc dites-le moi en commentaire et puis bah j'espère que la réponse sera oui. Alors, ouais, on va se mettre... ouais, là. L'outil, on s'en fout. On va placer les bibliothèques pour commencer. Alors, bibliothèque, où êtes-vous ? Ah, merde, alors. Est-ce qu'elles sont les coquines ? Ah, là. Donc bah c'est très simple, vous faites donc ici il y aura votre table d'enchant, tout autour bah vous bah, moi je mets des bibliothèques pour faire le bois un peu spécial mais on s'en fout complètement, hein. Mettez du bois. Il faut faire un carré de 2, donc enfin voilà quoi, avec un espace de 2 sur tous les côtés. Merde, hop, devant aussi, non pas devant, pardon. Je voulais les conneries. Donc oui, mon texture pack a des bugs. Bah le gazon il bug, il fait ça. Donc voilà, c'est pas très très joli, mais c'est pas grave. Ensuite, donc ici vous laissez une case, car c'est là que vous allez faire la façade. Donc hop, comme ça. Donc c'est la façade qui va être toujours être activée, donc ça va être pour les bas niveaux, enfin, les levels normaux. Donc ça, une fois que c'est fait, vous pouvez faire, là mettez du bois aussi, hein. Vous pouvez recouvrir comme si vous faisiez le sol mais en l'air, donc là vous faites un carré normal. Voilà, juste comme ça, le carré il doit laisser une case à chaque fois. Ensuite on va faire les systèmes des côtés, hein. Donc vous creusez une fois comme ça, vous creusez une deuxième fois
en profondeur. Hop, on va mettre direct les pistons. Donc là, vous prenez stick et piston. Oh, le téléphone sonne. C'est pas grave. Sticky piston, il est là. Ah, oh bah, je suis con, j'en avais déjà un. Donc, vous les mettez à l'intérieur comme ça. Et puis, vous mettez des bibliothèques là, à l'intérieur. Donc, vous faites ça tout autour. Hop. Et hop là. Voilà, donc bah ensuite bah vous faites un mur, franchement ça sert, on s'en fout. Vous creusez juste une fois comme ça pour qu'on puisse... non, même pas, ça servait à rien. Juste une fois autour comme ça. Ouais, bah en fait non, je vais le faire en laine, ça fera... ça respectera les choses. Donc... oh, quoique là je vais le faire en laine, mais un sélecteur, il n'y a pas 36 000 circuits. Donc là, vous relayez tout autour avec de la redstone. Donc désolé, je peux pas mettre le jour. Car j'ai un bug de chat. Je peux pas écrire dans le chat. J'essaye toutes les touches, là ça marche pas. Merde, reviens là toi. Ouais, donc je sais pas. Pourtant j'ai bien été voir dans les sélecteurs, dans le contrôle, non, ça marche pas. Ok, donc ça c'est fait. Ah oui, donc là aussi. Et là, vous allez voir. Donc bah écoutez, on va creuser ici partout. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Vous voyez, c'est pas très très beau, même pas du tout. Donc là, je vous montre le système tout de suite. Enfin, ça sera juste pour mes repères. Ouais, hop. Et hop. Donc là, on va creuser ici. Voilà. Alors, maintenant, on va faire... donc ça, c'était juste la préparation. Hein. C'est pas très très important. Ensuite, vous faites un mur. Un mur, là, comme ça. Oh, c'est moche ça. Ah oui, c'est que je voyais pas. On va mettre de la... on va mettre de la stone, hein. On va pas se faire chier. Donc ici, vous devez laisser 3 cubes. Et là, un vide. Donc, ouais. Et puis vous le montez... comme ça, à la même hauteur que votre bibliothèque. Et en bas, donc... ah, je suis paumé avec l'inventaire comme ça, je retrouve plus mes items. Donc, hop, vous mettez les boutons en bas. Et puis maintenant, on va faire bah, vite def les panneaux. Donc, il n'y a rien de bien compliqué, les panneaux. Donc là, il y aura marqué haut. Là, il y aura marqué moyen. Merde. Et là, il y aura marqué... bah, sachant que le bas est déjà activé. Et ici, des redstone lampes. Ah, quel con, je l'avais déjà. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, c'est notre façade de sélection. Donc pour la sélection, ça va se passer comme ça. Comme chaque chache-pache. Donc, hop, je creuse un peu. Hop, donc, sélecteur. Un redstone. Hop, laissez-moi... ouais, ici. Ouais. Tac, donc, ça vous rebouchez après. On s'en fout, on en a plus besoin. Ici, redstone, après répéteur, ici, répéteur, ici, répéteur, ici. Donc les deux à droite, ce sera sur un tick à chaque fois. Enfin, les deux de chaque côté seront sur un tick. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez remonter, hop, hop, hop.
et juste derrière creuser 2 comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va faire la sortie. Donc la sortie c'est comme ça. Hop. Donc ici lampe. Hop et hop. Voilà. Donc ici redstone là avec redstone ici, sauf que ce répéteur là vous l'enlevez et vous le remettez. Voilà. Et ici redstone. Voilà. Donc il faut bien que ce point là soit allumé. Donc là on a un peu fini le sélecteur. On va juste s'occuper maintenant des redstone lampes. Donc c'est très simple. Pour les redstone lampes, ça va se passer comme ça. Attendez, je me suis gouré. Oh, je me suis foiré. Bien joué, Adrien. Non, tout ça là, ça doit être une case avant. Ça doit être là. Donc bah désolé, je vais le faire. Hop. Donc bah là, finalement, ça va changer. Hop. Donc oh, ça je vais l'enlever. Donc finalement on va remettre nos sticky pistons. Donc en fait il faut qu'il y en ait deux, mais quand on appuie sur le bouton il faut plus qu'il y ait que l'espace. Voilà. Donc on met la bibliothèque là. Enfin les bibliothèques là. Et on refait notre histoire de laine. Donc la laine elle va être comme ça. Hop là. Bah ouais, mais en fait ça va pas être bon. Ça va être avancer en fait. On va juste avancer. Hop. Yep là. Donc vous remettez votre redstone ici comme ça. Pourquoi ça vient là, ça? Tu restes en haut et c'est tout. Donc voilà. Maintenant on va faire la partie du haut. Donc la partie du haut, bah sachant que vous, je pense que vous serez dans une mine, enfin vous serez peut-être pas en mode mode plat, donc ce sera plus facile à faire. Non, c'est là. Donc là, vous faites votre structure pour les pistons. Hein. Je fais ça pour pouvoir poser les pistons en l'air. Donc toujours sticky piston, sauf que vous les mettez comme ça. Hop. Et vous mettez des bibliothèques. Merde, j'ai dit des bibliothèques. Je n'ai pas dit des torches de redstone, Adrien. Ça va pas faire le même effet, hein. Hop. Je vais pas faire les murs autour, hein, c'est bon, vous savez faire des murs quand même. Enfin, bon, ok, on va les faire. Non, j'ai pas dit que vous savez pas faire des murs, hein, mais bon, voilà quoi. Mettez des bibliothèques, enfin, après, ça, ça c'est pour l'esthétique, c'est pour que ça reste une salle d'enchant quand même, que ça devienne pas genre une salle cobblestone, youhou. Non, enfin, comme ça, là, on a un peu l'impression que c'est une... Une salle d'enchantement. Moi je vais mettre c'est quoi le nom déjà? Glowstone, oui, pardon. Pour éclairer un peu le bordel. On va continuer notre bazar là-bas. Hop, donc c'est très simple. Pour allumer. Donc en fait, finalement, la laine, on va pas s'en servir. Hein, parce que il n'y a pas assez de systèmes différents. Donc on va s'en servir pour actionner. Si en fait on va s'en servir là.
Merde, c'était quoi la laine? C'était quoi la laine? C'était quoi? Je m'en rappelle plus. C'est-à-dire que c'était celle-là. Ouais. Donc, pareil que tout à l'heure. Limite, là, il va falloir faire encore un étage, voilà. Ouais, donc ensuite, bah, comme tout à l'heure, vous mettez votre redstone tout autour. Voilà. Et ici, on va avoir donc notre système que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, hop. Donc, on va avoir nos torches ici qui vont s'annuler. Donc ici vous mettez un fil et un répéteur. Donc ici vous oubliez pas de connecter. De connecter. Des fois je me trompe de d'item. Et maintenant bah, on va s'occuper. Donc là la partie du haut est connectée. Donc en gros cette partie-là, donc quand on va appuyer sur haut, va s'abaisser. Mais ça normalement on n'a pas fini. Hein. Donc on va repartir au bas. Je vais vous expliquer après. Donc là, on voit bien les sélecteurs hein, qui s'allument en haut. Hop, les uns après les autres. Donc c'est pour ça que j'ai mis à la même hauteur, car si on la met à la, si on met ça en dessous là, enfin qu'on fait la même chose, mais enfin que ça on le met ici, et bah le courant passe dans les deux, donc en fait bah ça marche plus. Enfin, on voit plus, ça fait plus un détecteur quoi. Enfin, ça fait plus le même effet. Donc là, bah vous faites un escalier comme ça. D'ailleurs, je me suis foiré, c'était pas grave. Bon, on va le faire mieux quand même. Vous reliez tout ça. Et bah écoutez, on a fini normalement. Si tout se passe bien. Donc là, on est en niveau bas. On va tester tout ça hein, pour être sûr. Épée. Voilà. Donc là, on est en niveau bas. Donc on sait qu'on l'est parce qu'il y a la lumière, donc on va pas pouvoir enchanter très très haut. Voilà, niveau 16 normalement. Voilà. Ensuite, niveau moyen. Donc il y aura juste cette partie-là qui va se lever. Niveau 30, ouais. 30 maximum. Et ensuite, le sélecteur haut. Et bah ça, en plus du bas, ça amène le haut. Et donc là, bon, on peut acheter niveau 50. Donc là, 45. Ouais, 41. Oh, 18, superbe. 38, 46, voilà. Donc, vous voyez, ça sélectionne ça. Et ça actionne les deux. Et bah, j'espère que... Donc, n'oubliez pas que ça marche en version... Que en version... Enfin, le fait de pouvoir enchanter plus de niveau 30, ça marche que en version... Ça marche qu'en version 1.2.5. Voilà. Donc n'essayez pas en 1.3.2 ni en 1.3.1 car ça ne marchera pas. Enfin, il y aura que le sélecteur bas et le sélecteur haut, hein, et le sélecteur moyen. Ou bas et haut. Enfin, il y aura pas trois choix. Écoutez, petite astuce, mettez ça pas trop loin de l'usine à XP. Comme ça, je sais pas, mettez l'usine à XP par là et puis ça là. Donc comme ça peut aller vachement vachement vite. Autre petite astuce, bon ça c'est vraiment banal, mais je préfère le dire car enfin mais je sais que moi je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Oui je sais, je sais. Donc on va prendre du stuff. Donc imaginons, donc là je veux voilà, niveau haut, donc on va essayer de l'enchanter niveau le plus près de 50. Si je trouve un 45, ce serait bien. Ouais, bon, allez, 41. Donc là, on a protection 5. C'est waouh, c'est super bien. Mais on voudrait avoir autre chose, donc on fait ça et ça. Et on en a un nouveau. Voilà, donc ça, c'était juste la petite astuce. Et puis après, vous pouvez réenchanter. 43, protection 3. Logique. voilà. Donc c'était Mister Diamant Minecraft et c'était un petit tuto sur oh les chiens ouais ça c'est mes chiens c'était un petit tuto sur l'usine non la
salle d'enchantement modulable. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris, que vous avez aimé la vidéo, et je vous dis ciao ciao!